un petit tour, là, juste pour vous brasser les petits lits. Ça marche, ça marche. Ça marche, hein? Yes. Et bon, alors ce gnome, il y a une lettre dedans, oui. Une petite enveloppe, et j'aimerais que Thomas la lise. Parfait. Tommy boy. Thomas, en tant que grand gagnant du Twister géant, GoTravelDirect.com est fier de t'offrir un voyage d'une semaine pour deux personnes au Grand Coco Bay sur la Riviera Maya au Mexique. Wow! Wow! À chaque dimanche! C'est bon! T'as dit ça pour le vrai? Ben écoute, là, tu vas pas faire un gros party hein, avec tous les voyages que t'as gagnés. Regarde, tout le monde riait genre que hier, j'étais gagné un jeu de Twister. J'étais pas déçu, ben là, regarde, ça... Ben, tu sais, nous, ce qui nous a fait rire, Thomas, c'est que t'étais probablement le moins souple du groupe. Ouais, j'étais... Que t'as gagné le Twister. J'étais à l'aise, t'as couché, les autres, ils se battent. Moi, j'attends là qu'ils se battent. Ben, félicitations. Merci beaucoup. On vous retrouve un petit peu plus tard, les gars. Merci. Chanceux, ça n'a pas de bon sens, ce Thomas-là. Alors, vous savez, plus le jeu avance, plus les lofteurs, ils deviennent complètement obsédés par tout ce qui se passe. La moindre information qui rentre dans le loft, ils la filtrent, ils l'analysent. Et là, ils ont plein de théories, que ce soit quand ils vont au confessionnal. Et il l'a appelé lui en premier, il est resté plus longtemps. Il calcule le temps que les autres passent à l'intérieur du loft. Mais imaginez cette semaine quand les mamans sont allées visiter le loft et qu'elles ont laissé des messages. Bien, Sébastien s'en est donné à cœur joie. Regardez bien. J'ai essayé de remarquer tout au long des vidéos, autant des autres que du mien, de voir s'il y avait des indices concernant qui allait potentiellement partir, qui allait potentiellement gagner. J'ai entendu beaucoup de mères dire « Ah ben, tu sais, l'important, c'est pas de gagner » puis ces choses-là. Donc, je me dis que déjà, il y a beaucoup de mères qui savent à peu près où est-ce que le jeu s'en va. Puis ça commence à s'embriquer pour dire qui peut gagner et qui ne peut plus gagner rendu à ce stade-ci. Donc, stratégiquement, c'était de très bons vidéos à regarder. Ben, il n'y a pas que les lofters qui se posent des questions. Vous, à la maison également, vous avez des questions et vous êtes nombreux. Et puis, il y a Virginie qui a toujours une réponse à tout. Au lovestory.tqs.ca, vous pouvez continuer à poser des questions. Et la question qu'on a choisie cette semaine nous vient de Marie Chouinard. Et elle nous demande ceci. Est-ce que nous sauvons les lofters du ballottage à tous les mercredis en ordre de pourcentage obtenu lors du vote? Alors, Marie, la réponse est non. En fait, il n'y a aucun lien entre l'ordre et la popularité des lofters. À chaque semaine, on essaie de faire des variantes, évidemment. Et donc, ce soir, c'est pas nécessairement le plus fort qui va être sauvé en premier, tout comme c'est pas nécessairement le plus faible. En fait, on essaie de garder à chaque semaine un certain suspense. Maintenant, cette semaine, on a fait très plaisir aux lofters. On leur a présenté le film Die Hard. Et je peux vous dire que le taux de testostérone a monté subitement dans l'offre, entre autres pour nos deux Mathieu. Alors voici un extrait inédit où nos deux Mathieu se sont livrés à une petite guerre. Ouais. Oh, elle est violente. Yeah. Et deux sont prêts? Yes. T'es prêt? Alors, on y va. Oh! 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 Un combat effréné. Presque équivalent à celle du Vietnam. Oh! Tu vas me piger cette gueule! Ah, le loft, ça fait ressortir les petits gars à l'intérieur de nos lofters. Et parlant de nos lofters, ben, tout d'abord, accueillons chaleureusement Louise Deschâtelet avec nous. Louise, tu as découvert une partie de trait de la personnalité de Cass que tu ne connaissais pas cette semaine. Oui, que je ne connaissais pas ou que je connaissais peu et qui me fascine beaucoup. Parce que Cass, on pose toujours des jugements de valeur, hein, même si des fois on dit que ce n'est pas vrai, on en pose en tant qu'être humain. Et
C'est un beau gars, c'est un gars pour qui le physique est important, qui s'entraîne beaucoup. Quand il y a des jeux entre eux, je veux dire, il est toujours le premier à se lancer dans l'affaire, oui. Il est toujours le plus fort. Et souvent, les filles lui ont reproché de ne pas exprimer ses émotions, d'être froid du côté de l'expression de ses sentiments. Eh bien, je vais t'inviter à regarder quelque chose avec moi, puis avec tout le monde, puis je vais t'en reparler après. Écoute bien ça. Je me rends compte que le ballottage s'en vient, puis je regardais la photo de Vincent, puis je me rappelais quand il me dit écoute, si je m'en vais, promets-moi que tu vas te rendre à la finale. Écoute, Vincent, je vais tout faire pour me rendre à la finale. Puis là, aujourd'hui, comme vu que le ballottage s'en vient, je me reposais en question, en fait, si j'ai-tu vraiment tout fait pour pouvoir me rendre en finale. Fait que oui, ça me met une certaine pression. C'est sûr qu'au départ, je disais, je vais me battre pour Vincent. Plus ça va, c'est sûr qu'il faut que tu te battes pour toi-même. La photo de Vincent, ça veut dire qu'il me léguait une combinaison, mais il m'a pas juste légué une combinaison. J'ai trouvé un ami que je vais, j'espère, revoir à l'extérieur puis garder contact avec lui, vraiment. C'est des amis, on n'en a pas gros. Des amis qui te lèguent un gros prix comme ça, t'es pas sûr de gagner, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas de le gagner. C'est le geste qu'il a fait envers moi que j'ai trouvé incroyable. C'est un beau moment. C'est un très beau moment, puis je regardais la tête de Vincent pendant que Cass parlait. C'est tellement extraordinaire d'entendre un gars dire des choses aussi profondes et d'avoir un tel sens des responsabilités, de la responsabilité qu'on lui a transmise et de la générosité de Vincent à son endroit. Puis je pense que sa mère doit aussi être très contente de ça parce qu'elle retrouve là probablement des valeurs qu'elle lui a inculquées. Et on a retrouvé ça chez Cass de plus en plus au fur et à mesure que le jeu a avancé, oui. À cause de sa mini-liaison avec Élodie, qui n'a pas un caractère facile, qui est une fille qui est en dents de scie, qui est très intense. Puis il fait toujours des petites approches. Des fois, ça ne marche pas toujours avec elle. Elle voudrait plus. Mais lui, c'est le plus qu'il peut faire. Mais quand il est dans une certaine intimité, si on l'écoute, on se rend compte que c'est un gars qui a une grande âme. Et ça, ça fait plaisir d'entendre ça. Tu nous parles de Cass, mais je sais que tous les gars t'ont beaucoup impressionné. Oui. La semaine dernière, j'ai parlé de la génération Y, qui est la génération des gars et des filles qui sont dans le loft. Cette génération qui, en fait, est la première génération à avoir hérité de tout ce que les baby boomers ont eu, que les X ont eu, et à s'être retrouvés avec tous les dégâts à réparer et en même temps à être pas tout à fait des hommes roses, parce que les femmes les voulaient un petit peu roses, mais les voulaient aussi un peu macho. On regarde des images ensemble, puis je t'en reparle après. Si mes parents sont fiers de moi, là, mission accomplie dans toute l'histoire de l'escape. Je suis comblé vraiment aujourd'hui, là, c'est incroyable. Là. Surtout que j'ai été pendant des périodes assez loin de ma mère, c'est vraiment en étant ici que j'ai pas le choix de ne pas y parler. C'est là que tu ressens le besoin vraiment encore plus de la voir. J'ai tellement hâte à sortir de la série dans mes bras. Là. C'est ma mère, vous n'auriez pas pu choisir mieux. Là. J'ai jamais été séparé aussi longtemps d'elle, donc pas de nouvelles du tout. C'est sûr qu'il y a, un petit sentiment. C'est un cadeau sentimental, ça se compare pas à aucun autre cadeau. C'est un cadeau genre qui me touche vraiment. Ma mère est vraiment importante pour moi dans ma vie. Elle s'est privée dans sa vie pour que moi j'aie du luxe quand j'étais jeune. De savoir que qu'elle est là et qu'elle dit qu'on t'aime, qu'on te regarde tous les jours, ça m'a tellement fait... Ah! Ça m'a vraiment pincé le cœur pour vrai. Un mot de ta mère, ta maman. Il n'y a rien de plus important que ça, ça traite. C'était très touchant de voir la réaction des mamans aussi. Tu pourrais me dire, Marie, que le manque fait apprécier les choses, mais il reste qu'ils sont allés très loin dans les compliments. Et quand on les a vus se précipiter sur le plat fait par leur mère, c'était comme si le bon Dieu en culotte de velours leur arrivait en pleine face. Alors, je dis, pour des mamans, c'est extraordinaire, mais aussi pour les filles de la société québécoise. Je dis aux filles de leur âge, regardez-les, ces gars-là, ils ont beaucoup de valeur. Arrêtez de leur demander d'être comme des filles. Arrêtez de leur demander
d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments comme des filles. Nous autres, on est des verbales. Eux, ils sont des physiques. Ils sont en même temps qu'ils sont capables de dire une phrase, un toucher pour eux, c'est autant qu'un long discours pour nous. Alors, c'est important de savoir que quand ils sont tout seuls dans un confessionnal, ils sont capables de dire, devant nous, ils ne sont peut-être pas capables, mais ça veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas et qu'ils n'aiment pas leur mère. Tu sais, Louise, les gens, il y a beaucoup, certaines personnes qui vont dénigrer l'aventure Love Story, mais je pense que ça ramène ces jeunes-là à l'essentiel. Écoute, moi, cette année, mon expérience à Love Story, c'est une des plus belles expériences de ma vie et je ne pensais pas que ça allait être comme ça, parce que moi aussi, je portais certains jugements de valeur là-dessus et j'ai appris à découvrir ce que l'enfermement pouvait faire sur l'être humain, mais également de mal, mais de bien et jusqu'où ça pouvait amener chaque personne à être totalement ce qu'il doit être dans la vie. Et eux autres, là, ces 70 jours-là, c'est comme plusieurs années de vie d'un seul coup. Merci beaucoup. Merci, Louise. Alors, il est temps d'aller sauver notre premier lofter de la soirée. Ben oui, on s'est amusé, on a eu un gnome, on a vu Sean-Édouard, mais là, c'est le moment de vous présenter le verdict du public. Alors, je demanderai le carton, s'il vous plaît. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Thomas devient donc un finaliste officiel de Love Story 4. Restez des nôtres après la pause, on sauve un autre lofter. Non, je pense que ça se montrera pas à la télévision quand même. Le petit regard que tu sais, vas-y. Regardez Love Story 4 et je suis en compagnie de l'évincée de la semaine dernière, la belle Christelle qui est avec nous. Bonsoir Christelle. Allô? Parle-nous de ta semaine. Comment ça s'est passé ton retour sur la Terre? Très émue quand tu as quitté. Oui, énormément. Ça a été vraiment dur d'encaisser le choc au départ, mais ça a bien été cette semaine. Malheureusement, j'étais pris avec une grippe, fait que j'ai pas eu le temps de sortir de chez moi énormément, donc j'ai pas pu voir la réaction des gens dans la rue. Oui, mais quand même, t'as vu des gens, t'as vu des enfants. Tu m'as dit que ça t'avait touché, t'as vu la réaction de certains enfants. Quand j'étais à Trois-Rivières, oui. Parce que finalement, Québec avait été annulé dû à la température, j'étais à Trois-Rivières, puis j'ai vu des enfants, puis c'était tellement cute. Ils viennent te parler, puis ils sont là, on t'aime, c'est tellement mignon. Qu'est-ce qui te manque le plus du loft? Oh, j'aimais bien la petite routine du matin, se lever avec la musique, nos activités, quoi, les trucs normaux. Puis ta bonne copine, Véronica. C'est sûr que Véronica me manque énormément. Mm-hmm. Et c'est réciproque, on l'a vu cette semaine. Et oui. Alors, est-ce que tu as été aidée? Est-ce que tu as eu un de l'aide de la part de tes amis évincés pendant cette semaine? Francis m'a tout de suite téléphoné, tout de suite repris contact avec moi pour s'assurer que j'allais bien. 911 évincé Francis. Exactement. Merci beaucoup. Et justement, parce qu'on trouve que vous êtes une belle bande. D'ailleurs, faut que je souligne le T-shirt. On t'aime, Marie. Oh, t'aime vraiment Bob beaucoup. Et Vincent, merci. Ça me touche beaucoup.
Vous n'avez pas idée. Je veux pas que tu partes, Marie. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Et vous êtes une belle bande. Et pour cette solidarité-là, ben, on a une belle surprise pour vous cette semaine. Même sous la torture, je ne vous ne révélerai pas ce que c'est. Mais c'est pas juste parce qu'on est dans l'offre qu'on peut avoir des prix. À l'extérieur aussi, je vous promets quelque chose de bien. On s'en reparlera la semaine prochaine. Sur ça, vous savez, nos lafteurs, ils reçoivent plein de prix, mais ils aiment bien donner aussi. Regardez bien ces images. Love Story.